en Égypte où a eu lieu ce matin la cérémonie d'inauguration de la COP27, cérémonie marquée par l'intervention du jeune militant écologiste Kylian Dubois, tout comme Greta Thunberg avait marqué la cérémonie il y a tout juste 3 ans. Nous vous proposons de revivre intégralement cette intervention grâce à un reportage signé Jean Billon et Christophe de la Tournevière. Le 12 décembre 2012, le monde entier s'est réuni pour affirmer que nous vivions notre dernière année, que nous allions tous périr durant l'apocalypse, que c'était la fin du monde. Beaucoup de personnes ont trouvé la peur, la terreur, face à cette information qui, au final, s'est avérée n'être que mensonge et baliverne. Beaucoup de personnes ont tenté de trouver une solution face à cette fin inévitable pour sauver notre espèce, pour sauver nos générations futures. Or aujourd'hui, on nous demande d'espérer tout en sachant que personne ne réagit à un problème qui ne fait que durer et qui pourtant, lui, est bien réel. Les chiffres nous montrent que le réchauffement climatique est tel qu'il est 2 fois, voire 3 fois plus important que le réchauffement terrestre sur un laps de temps qui se compte en milliards d'années. Ne voyez-vous donc pas que la planète est malade, qu'elle est infectée par un virus bien plus mortel que le coronavirus et bien plus néfaste que n'importe quelle maladie? Ne voyez-vous donc pas que si personne ne bouge, que si tout le monde reste là, inactif, nous courons à notre propre extinction? Nous rêvons d'un monde où règne l'amitié et l'amour, où règne la sécurité et la joie. Nous rêvons d'un monde où nos enfants auront des enfants qui constitueront notre descendance, qui constitueront notre famille. Nous rêvons d'un monde qui, rationnellement, n'existera jamais. L'augmentation de nos océans de 3,5 mm par an. L'augmentation de 30% en moins d'un siècle de nos émissions de CO2. L'augmentation de la température terrestre de 0,8 degrés. Sont tant d'éléments qui nous montrent que le plus grand ennemi de l'homme en matière de survie n'est autre que l'homme lui-même. Face à l'inefficacité de nos gouvernements et de nos citoyens depuis près de 40 ans, pourquoi alors croyons-nous encore à un futur impossible, à un monde qui, avouons-le, n'existe pas? Nous, génération actuelle, pouvons et devons être la génération de transition écologique. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire ni comment, mais plutôt là pour vous demander. Vous demander d'agir pour nous, vous demander d'agir avec nous. Car le monde de demain n'existera que si nous agissons ensemble, main dans la main. Alors qu'attendons-nous? Merci. Nous devons agir. Nous devons agir et maintenant. Le changement climatique nous concerne tous. Mais aujourd'hui, il nous concerne plus que jamais. En effet, le dernier rapport du GIEC a montré l'urgence absolue qui régnait sur notre système climatique. Une urgence dont vous connaissez déjà très bien l'existence, mais qu'il était plus confortable pour vous d'ignorer. En effet, nous sommes sous la menace de passer au-dessus des 1,5 degrés de réchauffement global de la planète d'ici quelques années. Cela aurait des conséquences catastrophiques et irréversibles sur de nombreuses parties du globe, notamment les pays du Sud, mais également ceux de l'Europe, qui étaient jusqu'à présent très peu touchés. Nous détruisons notre planète. La hausse du niveau de la mer, le réchauffement global de la planète, les nombreux incendies, les inondations, la sécheresse de plus en plus intense et toutes ces catastrophes naturelles indénombrables ne suffisent pas à vous faire agir? Vous, homme politique, qui vous êtes engagé pour faire de notre monde un monde meilleur? Le destin de la Terre est entre nos mains. Nous savons que nous pouvons améliorer les choses. Bien sûr, nous pouvons agir à petites échelles. Privilégier le vélo ou les transports en commun à la voiture, par exemple. Privilégier des producteurs locaux à des grands secteurs de l'industrie alimentaire. Mais ça doit également passer par des changements beaucoup plus globaux, comme par exemple le contrôle du secteur industriel, du pétrole, et ces changements, ils doivent venir de vous, car les hommes ne sont pas assez matures pour agir d'eux-mêmes. Alors je vous demande, à vous, hommes politiques, hommes d'État, de prendre votre responsabilité en main et d'agir. Je viens tout juste de finir ma dernière année de lycée, et j'aimerais que mes enfants aient une vie sécurisée, qu'ils grandissent dans un monde où il n'y a pas de menace permanente d'une extinction progressive de la planète. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Si aujourd'hui j'interviens devant vous, c'est que j'ai l'espoir que cette prise de parole puisse avoir un impact
sur vos décisions à l'avenir à propos du changement climatique. Nombreux d'entre vous sous-estiment ce qui est réellement en train de se produire sur la planète ou notre planète. Justement, si c'est notre planète, il serait bon d'envisager de la préserver et d'arrêter de la surexploiter comme certains le font très bien. Si aucune solution n'est prise, il n'y aura plus de planète, donc pas d'avenir pour vos descendants, à moins que vous souhaiteriez les éduquer et les élever dans des conditions de vie déplorables. La première erreur que font beaucoup de personnes, et cela est bien dommage, est de confondre climatologie et météorologie. C'est notamment le cas de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, qui s'est ridiculisé dans son tweet. Certes, il peut y avoir des températures plus basses que l'année précédente sur une semaine, mais aujourd'hui je vous parle de climat et non de météo. De nombreuses études ont révélé que le climat a évolué, c'est-à-dire qu'on constate une modification des paramètres de l'atmosphère terrestre à long terme. La température a augmenté de 1 degré Celsius et devrait encore augmenter jusqu'à dépasser les 1,5 degré Celsius d'ici 2050. La concentration en CO2 n'a jamais été autant élevée que cette année. 34,8 gigatonnes de CO2 sont émises dans l'air par an. Cette concentration est due à la combustion des fossiles et à la cimenterie qui ne cesse d'augmenter depuis 1950. Et aussi au dégel du permafrost qui a perdu 0,5 mètres de sa superficie en 20 ans et qui devrait perdre 4 millions de kilomètres carrés. Cette émission de CO2 sera encore plus élevée à l'avenir. Ces modifications ont aussi des effets sur la culture. La culture est moins bonne, donc il y a moins de rendement et moins de produits à la consommation pour la population. Et aussi, il y a un effet sur la biodiversité. On observe une extinction de 20 à 30% des espèces dues aux pluies acides. L'élévation du niveau des océans devrait entraîner la destruction de nombreux villages présents sur le littoral, des migrations et des décès à cause d'inondations plus récurrentes. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Les conditions de vie se détériorent sous nos yeux et personne n'agit. Malheureusement, on ne pourra pas contrer le réchauffement climatique. Les dégâts sont déjà là. Si chacun fait un petit effort, ensemble, on peut limiter ce réchauffement climatique. Nous laissons donc la chance aux générations futures de vivre. Certes, les conditions de vie ne seront pas les mêmes que les nôtres et ils payeront les conséquences de nos actes. C'est désormais à vous, mesdames et messieurs, les États membres, de prendre des décisions pour nous sauver et sauver la planète. Merci. Vous, très chers dirigeants, je suis là pour vous parler des modifications majeures du climat qui sévissent ces dernières années et les impacts sur notre futur. Il suffit de regarder simplement la télévision et on comprend très vite tous les problèmes qu'il peut avoir, entre les inondations, les cultures qui sont détruites par les intempéries ou les incendies de forêt qui se multiplient. Tout ceci va poser de gros problèmes et peut même tuer jusqu'à 300 000 personnes par an. Que dis-je ? Il vous suffit de regarder la température chez vous pour comprendre qu'elle a augmenté drastiquement ces dernières années. Mais à qui la cause ? Un, vous, être humain, qui avez déclenché tous ces problèmes. Cela a commencé tout d'abord avec la libération des gaz à effet de serre pour votre confort, avec des voitures ou pour vous réchauffer. Ce qui va maintenir ce réchauffement et le garder. Mais pas seulement, votre construction a détruit toute cette belle nature avec vos déforestations qui a détruit fleurs, buissons, arbres qui limitaient la production de CO2, donc réduisaient le gaz à effet de serre, qui va ensuite faire fondre les glaciers, qui vont augmenter le niveau d'eau, donc augmenter les inondations, mais aussi diminuer l'albédo, ce qui va réduire la réflexion des rayons de soleil, augmenter encore la chaleur. Mais c'est pas tout, il y a aussi des zones normalement qui sont tout le temps glacées, qui vont être déglacées, c'est ce qu'on appelle le permafrost. On bloquait depuis ces millénaires des gaz à effet de serre, et quand ça va être libéré, ça va encore augmenter, c'est n'importe quoi. Et ce n'est pas avec des belles paroles ou en disant que nous allons changer que cela va suffire. Il faut agir vite, chaque seconde compte, pour notre futur. Ladies and gentlemen, members of the UN, climate change is nowadays a very important topic. People are suffering, the earth is dying, and you're not even able to act quickly facing this global problem. What are you waiting for? For the earth to be destroyed because of human activities? Indeed, humans are the first cause of global warming. For example, when they raise the forests, they build roads, use chemical products, and do overfishing. Biodiversity on earth suffers and loses cheaply.
Furthermore, the greenhouse effect is destabilized because of these activities and the use of fossil fuels like petrol and coal. This has consequences on the increase of greenhouse gas concentrations in the atmosphere and the warming of the planet. Finally, currently, the increase of temperatures depends on the quantity of atmospheric carbon dioxide. Indeed, when the greenhouse gas concentration increases, the atmosphere absorbs the radiation made by the surface of the Earth. The additional energy is stored by oceans, which shows a rise of the average temperatures on Earth and a rise of sea level. Over the past several hundred thousand years, the carbon dioxide concentration never increased as fast as it does now. And you're still not acting? What are you waiting for? Ladies and gentlemen, world leaders, to achieve our common goal, which is protecting the planet, we need everyone. You have to show the example as the leader of your country, and we all need to act. The world needs us. The Earth needs us. Thank you. Le GIEC a des livres de soirée. 3 ans. Seulement 3 ans pour inverser la tendance et vivre sur une planète respirable d'ici quelques années. Seulement 3 ans. Vous rendez-vous compte? Le réchauffement climatique ne fait qu'accroître, entraînant la fonte irrémédiable des glaciers, la hausse du niveau de la mer, la disparition de nombreuses espèces, et j'en passe. De nombreux territoires vont être détruits, comme au Bangladesh par exemple, où une grande partie de son territoire se retrouve submergée suite à la hausse du niveau de la mer, entraînant ainsi de nombreuses migrations vers l'intérieur du pays. Et oui, des vies sont en danger. D'ici 2050, près de 250 millions de personnes seront forcées de s'exiler à cause du réchauffement climatique, d'après l'ONU. Depuis 1850, le réchauffement climatique ne fait qu'accélérer, 10 à 100 fois plus rapide que les 400 000 dernières années. Ce n'est plus possible. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés à regarder l'inaction des gouvernements, à regarder votre inaction. Nous connaissons toutes les solutions. Alors pourquoi ne pas en faire la promotion? Prenons les énergies renouvelables, la consommation raisonnée, la conservation de la faune et de la flore, etc. Nous devons agir pour les générations futures. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils comptent sur nous. Nous devons changer notre mode de vie. Le changement ne va pas être facile, j'en conviens. Mais il est de notre devoir de changer le cours de l'histoire. Il faut agir. Le climat n'est pas seulement le problème des jeunes populations. L'avenir de notre planète n'est pas seulement le problème des futurs adultes. Nous sommes tous des victimes du réchauffement climatique et continuerons à l'être si rien ne se passe. Les mouvements pour y parvenir sont pourtant nombreux. Youth for Climate, One Planet ou encore les actions de Greenpeace ou de l'UNICEF. Cependant, cela n'est pas assez. La prise de conscience doit être mondiale. Les actions également. Tous les habitants de la planète doivent changer leur mode de vie s'ils veulent que les générations futures ne subissent pas le résultat de leurs erreurs. Du moins, pas plus que ce que nous subissons déjà. Car oui, c'est déjà trop tard. Il est trop tard pour empêcher la fonte des glaciers. Il est trop tard pour empêcher l'augmentation du niveau de la mer. Il est trop tard pour sauver toutes nos forêts et leurs espèces qui ont péri à cause de nous, de nos actions et de notre négligence. Mais il n'est jamais trop tard pour agir et inverser la tendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, simple lycéenne, je vous demande et vous supplie de nous aider, nous, jeune génération, à nous battre contre les erreurs que nous avons tous commises et dont nous sommes les prochaines victimes. Nous aider à nous battre contre la pollution, contre l'augmentation des températures et contre tous les autres aspects non négligeables du changement climatique et des actions de l'homme. Il faut donc arrêter d'ignorer et commencer à agir. Mesdames, Messieurs les ministres, nous vivons actuellement un réchauffement climatique global depuis 150 ans. Il est maintenant urgent d'agir pour sauver notre planète, pour protéger notre environnement et pour assurer un avenir aux générations futures.
Rendez-vous compte que les vendanges sont réalisées de plus en plus tôt? Que le niveau des océans ne cesse de prendre de l'ampleur due à la dilatation thermique? Que le permafrost fond? Que des espèces disparaissent? Que nous faisons face à des périodes caniculaires de plus en plus meurtrières? Comme en 2019, où nous avons enregistré des températures élant au-delà des 46 degrés? Nous assistons à une augmentation des catastrophes naturelles, comme les feux de forêt qui ont sévi ces dernières années dans la région amazonienne ou en Australie. Nos activités ont un impact majeur sur le réchauffement climatique. La déforestation diminue les puits de carbone. La construction de nos maisons rejette des gaz à effet de serre, augmentant la température globale de notre planète. Mais il est encore temps d'agir pour cesser ce réchauffement climatique qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors, privilégiez les transports en commun, le covoiturage, triez vos déchets. Parlez-en autour de vous, car si on s'y met ensemble, il est encore temps de faire bouger les choses. Nous sommes les destructeurs de notre planète. Et il est encore temps de l'aider et d'agir en sa faveur pour essayer d'inverser cette tendance et ce réchauffement climatique qui est de notre faute. Chers membres de l'ONU, l'urgence dans laquelle nous vivons m'oblige à venir solliciter votre aide et vous faire ouvrir les yeux sur l'horreur dont nous sommes victimes. Par victime, je ne parle pas de votre génération qui avait connu le monde tel qu'il était avant que vous ne le détruisiez. Nous, les jeunes, ne ramassons que les miettes de ce monde déjà en pièces. Vous, comment avez-vous osé poursuivre ce malheur en parfaite connaissance de cause, dans un but de modernisation, de croissance économique, et pour le futur et le bien de l'humanité, vous dites? Pour atteindre cet idéal, depuis des années, l'industrie rejette des GES qui ont pour but de détruire notre atmosphère. Ceux-ci servent naturellement à garder une certaine chaleur, car la Terre absorbe les radiations et en rejette, ce que l'on nomme le forçage radiatif, régulé par l'albédo terrestre global diminuant par l'augmentation de CO2 dans l'air. Ceci est une conséquence de vos agissements qui permettent à la température globale de monter de plus d'un degré 5 si vous ne vous stoppez pas d'ici 3 ans. Arrêtez ce désastre. Croyez-moi, il y a encore possibilité d'une rétroaction limitant le réchauffement à l'avenir. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Sinon, dites adieu à notre belle banquise, à notre belle biodiversité, à nos littoraux, mais surtout aux peuples bordant la mer ou les océans, car la fonte de la banquise les fera disparaître. Mesdames, Messieurs, je me présente face à vous aujourd'hui pour vous mettre en garde vis-à-vis du réchauffement climatique. J'aurais préféré ne jamais me tenir devant vous aujourd'hui. Mais je le dois, car l'urgence climatique est présente aujourd'hui, et je le dois, car l'urgence climatique sera aussi présente demain. Le système économique que vous prônez actuellement n'a qu'un seul objectif, le profit. Toutefois, ce système n'est pas sans conséquences pour la planète. En effet, les émissions de gaz à effet de serre depuis 1850 sont pour la plupart dues à la déforestation ou à l'usage de combustibles fossiles. Les origines de ces émissions de gaz à effet de serre sont donc anthropiques et sont engendrées par la perpétuelle recherche de profit qui vous anime. Ces émissions représentent un réel danger pour notre planète, puisqu'elles sont à l'origine du réchauffement climatique. Je vous le concède, il n'est pas évident de constater à l'œil nu ces émissions. Mais alors, qu'en est-il de la fonte des glaces? N'est-il pas possible de voir l'augmentation du niveau de la mer? N'est-il pas possible de voir l'avancée de la date des vendanges depuis 1970? Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas constater l'évident. Nous faisons face à une période de réchauffement climatique sans précédent. Cependant, il est encore temps d'agir, avant de voir des conséquences irréversibles pour notre planète. Je vous le demande. Prenez conscience et agissez en conséquence. Cessez de ne penser que par l'argent, pour ne pas laisser aux générations futures une terre invivable pour les êtres humains. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées avec une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? C'est ce que disait Greta Thunberg en 2019 devant vous, devant l'ONU. Et malheureusement, je suis encore ici pour vous parler de ce réchauffement climatique qui est bien réel, même si certaines personnes n'osent pas y croire. Je suis ici pour changer les mentalités et pour vous prouver qu'il faut préserver ce monde, qu'il faut éviter une catastrophe, qu'il faut ralentir ce réchauffement climatique. Tout d'abord, nous avons pu voir que l'épaisseur du permafrost a diminué de 50 cm en 20 ans.
ce qui prouve bien un réchauffement climatique avec une baisse de cette épaisseur qui en plus libère des gaz à effet de serre, ce qui va augmenter le forçage radiatif positif et qui va encore augmenter ce réchauffement global de la température. De plus, nous voyons que depuis 1970, il y a une avancée des vendanges, ainsi que la floraison des cerisiers qui sont de plus en plus tôt. Enfin, nous avons des zones climatiques qui remontent en latitude. Tout cela montre bien un réchauffement climatique. Comment voulez-vous expliquer autrement que les températures de Barcelone vont se retrouver à Bordeaux et que nous pourrons bientôt cultiver des raisins dans l'avenir à Calais, dans le nord? C'est impossible. C'est le réchauffement climatique. C'est une preuve. De plus, pour finir, nous voyons qu'il y a une diminution de 80% de la surface de la banquise en Arctique qui, encore une fois, libère des gaz à effet de serre, diminue l'albédo et augmente le réchauffement climatique. On ne peut plus ignorer ce réchauffement climatique. Il est bien là, il est bien réel. On ne peut plus l'éviter, mais on peut le limiter. Il faut changer les mentalités et limiter ce réchauffement climatique pour éviter la catastrophe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cher ministre, je m'appelle Alia Arcaïni, je suis lycéenne et militante. Je me trouve aujourd'hui face à vous pour parler d'un sujet d'une importance majeure, le réchauffement climatique. Cela fait maintenant plus de 30 ans que nous parlons de réchauffement climatique. Ce sujet faisait déjà la une des journaux dans les années 80, mais rien n'a changé. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de réagir? Voulez-vous continuer à réchauffer notre planète, ce qui mènerait à l'extinction de chaque espèce dont la nôtre? Les chiffres traduisent cette hausse de la température globale. Depuis la fin du 19e siècle, la température a déjà augmenté de 0,8 degrés. Les différentes canicules le montrent, tout comme les feux de forêt qui se multiplient. Ensuite, l'Arctique a déjà vu sa superficie fondre de 30% depuis 1980. Et enfin, le taux moyen d'élévation de la mer est d'aujourd'hui de plus 3,3 mm par an. Il y a encore beaucoup d'autres preuves qui devraient nous pousser à agir. Alors qu'attendez-vous? Nos activités, notre empreinte carbone qui a augmenté de 20% entre 1995 et 2018, détruisent notre Terre. Nous savons tous que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre menant à ce réchauffement climatique. Ces chiffres proviennent de vous, mesdames et messieurs les ministres, du ministère de la Transition écologique. Vous savez donc qu'il faut agir. Il n'est pourtant pas si difficile de lutter contre ce réchauffement climatique. Si tout le monde s'y met ensemble, il est possible de réparer nos erreurs. Mais il faut agir vite, la crise est urgente. Il suffirait d'utiliser des transports moins polluants, de se nourrir de produits locaux, de recycler et de diminuer nos déchets. Il suffirait d'arrêter de gaspiller nos énergies en consommant moins d'électricité ou encore de lutter contre la pollution numérique qui d'ailleurs n'est pas connue par tous. Je vous appelle tous à agir et à sauver notre planète. Tous ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. Merci de m'avoir écouté. Futur. Ces gens à qui on devrait mentir pour qu'ils en croient le contraire. Car oui, en effet, notre monde va mal. Le 6e rapport du GIEC le prouve considérablement. En effet, par différents chiffres, différents textes ou différentes affirmations montrent les solutions, mais aussi les catastrophes naturelles qui sillonnent notre monde. La fonte rapide des calottes glaciaires en Antarctique et au Groenland provoque une montée des eaux. Une montée des eaux qui pourrait alors détériorer les habitats humains, mais aussi les habitats naturels. Nous savons aujourd'hui que plus le curseur planétaire augmentera au niveau de la température, plus à nos niveaux régionaux on devra faire face à des changements climatiques. Et aujourd'hui notre monde fait face à des inégalités fortes. En effet, au nord comme au sud de la planète, les populations ne pourront pas réagir de la même manière. Ce qui engendrera sûrement de nombreux morts, de nombreuses catastrophes, des disparitions d'espèces, donc d'écosystèmes et de biodiversité. Sans biodiversité et sans écosystème, le monde ne pourra avancer. Des solutions peuvent être mises en place, mais sont bloquées par tous les lobbies bancaires et économiques qui, en effet, bloquent
certaines idées. Par exemple, un rapport qui a été voté au Parlement européen qui dit que si on veut gagner la bataille du climat, il faudra isoler les maisons, faire des transports en commun, aider les agriculteurs, etc. Mais d'un autre côté, ces lobbies bancaires empêchent ces actions. En effet, c'est des actions qui sont coûteuses, car en effet, isoler une maison coûte 40 000 euros. Et pourtant, malgré les promesses que font les États depuis 2015, personne n'agit. Rien n'est fait. Aujourd'hui, on ne pourra éviter les 2 degrés de réchauffement en 2050. Mais on peut stagner nos émissions de gaz à effet de serre. Les catastrophes continueront d'augmenter, puisque la température augmentant, les catastrophes font de même. L'augmentation du gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente par la même occasion. Maintenant, c'est à nous de réagir. D'agir par de simples actions, mais tous ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Peu de vous ici me connaissent, car vous êtes sûrement trop occupés à vivre dans vos palais de cristal pour voir que la jeunesse souffre. Le projet Total en Ouganda, ça vous dit quelque chose? Cet oléoduc qui va traverser 16 réserves naturelles dégradera profondément les écosystèmes alentour et accentuera encore plus le réchauffement climatique provoqué par l'homme de plus 1,2 degré. Le monde se dégrade, et nous le savons depuis le début des années 1940. Ne me dites pas que depuis 70 ans, personne ne savait ce que l'industrialisation de masse allait provoquer comme conséquence écologique, car ce n'est tout simplement pas vrai. L'activité humaine a multiplié par 10 la vitesse du réchauffement périodique de notre planète. Je parle sûrement dans le vide aujourd'hui. Oui, nous élisons à la tête de nos gouvernements des éco- et climato-sceptiques. Comment voulez-vous que le monde change quand Emmanuel Macron ne respecte que très peu ses engagements écologiques qui devaient être la cause majeure de son premier quinquennat? Et comment voulez-vous que le monde change quand Donald Trump quitte les accords de Paris? Trouvez-vous cela normal que 6 des 9 limites planétaires ont été dépassées, dont 2 seulement cette année? Trouvez-vous cela normal que les records de chaleur soient battus chaque année depuis le début des années 2000? Trouvez-vous cela normal que le mois de mai 2022 soit le mois le plus chaud de France, alors que nous ne sommes même pas en été? Trouvez-vous cela normal que les températures ressenties dans les déserts du Mexique et d'Iran en 2021 aient été de plus de 80 degrés? Nous ne sommes plus qu'à 3 ans du point de nos retours. 3 ans pour changer les choses. 3 ans avant que le dérèglement climatique ne soit plus contrôlable. 3 ans avant que l'humanité ne soit vouée à disparaître à jamais. Coloniser Mars n'est pas la solution et vous le savez. Cependant, vous nous dites d'agir, vous les grands dirigeants et chefs d'entreprises d'énergie fossile. J'aimerais vous rappeler que dans le monde, seulement 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce sont les industries fossiles. Les grandes industries polluent plus que tous les citoyens lambda du monde, et pourtant c'est à nous de faire des efforts. Oui, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, les gérants des compagnies de pétrole et de gaz, et les grands chefs d'État. Vous nous avez fait naître sur une planète qui meurt un peu plus chaque jour. Elle emporte avec elle nos espoirs et notre futur. Alors changez les choses et aidez-nous à vivre, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une cause qui est extrêmement grave aujourd'hui. Il s'agit du réchauffement climatique. Comme vous savez, la planète meurt, ainsi que les animaux. Et si nous faisons rien, nous aussi, nous allons suivre le même chemin. Tous, sans exception. Donc les causes du réchauffement climatique sont principalement l'activité humaine depuis 150 ans, par l'innovation d'énergie combustible, comme le pétrole, les métaux, etc. Et ce qui va avoir comme effet une augmentation des gaz à effet de serre, des rejets de CO2, et ce qui va augmenter l'épaisseur de la couche d'ozone. Alors on va observer une température globale qui va augmenter dans les années à venir, et il va aussi y avoir plusieurs effets à la suite. Donc comme des canicules qui vont apparaître plus souvent et plus intensément, surtout. Vous avez déjà essayé de mettre des choses en place, comme les accords de Paris en 2015, dont le but était de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais justement, on a trouvé des effets inverses. Donc la température, elle a subi une hausse de 4 à 5 degrés. Voilà. Donc, ce qui va avoir un risque de canicule multiplié par 150. Donc au total, on prévoit une hausse de la température globale du réchauffement climatique de 3,3 à 5,7 degrés. Et en 2030, on prévoit actuellement une augmentation de 1,5 degré. Voilà.
Et dans le sud de la France, à partir de 2050, il fera 50 degrés à l'ombre. Et ce sera quasiment la même chose partout sur le territoire français. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Léna. Léna Patin. J'ai 17 ans. À 17 ans, on est insouciant, on ne connaît rien à la vie, et vous vous demandez même ce que je fais ici. Eh bien, détrompez-vous. À 17 ans, je vis la pire des souffrances que l'on peut connaître. À mon âge, sans vous enfoncer, aucun d'entre vous n'y prêta attention. Je vis dans un monde qui tremble. Si vous ouvrez les yeux, vous trouverez les quotidiens des forêts qui brûlent. Vous trouverez un pôle sud complètement fondu. Vous trouverez des îles qui se reconstruisent avant qu'un nouveau cyclone ne les détruise. Agissez. Si un de vous oserait me dire qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le réchauffement climatique, je lui demanderai de regarder en face le relèvement des niveaux de la mer, l'accélération des réchauffements des océans, de la fonte des grands glaciers. Encore, oserez-vous me répondre « Oui, la Terre va se réchauffer, mais l'homme est parfaitement capable de s'y habituer. » Je vous répondrai qu'il y a 20 000 ans, le climat était plus froid, de certes 5 degrés, mais pourtant, les paysages ne ressemblaient en rien à ce que l'on connaît et des glaciers s'écoulaient sur la ville qu'on appelle aujourd'hui Lyon. La végétation n'avait rien à voir et le niveau de mer était 130 mètres plus bas. Pour les climats, oui, 5 degrés, c'est absolument énorme. J'espère ne pas vous informer pour la première fois que cette variation s'est produite en 10 000 ans. Alors qu'en ce moment même, on se parle, un changement climatique similaire devrait se produire en seulement 30 ans. Je continuerai par vous parler du GIEC qui placera votre planète sur le point de non-retour dans seulement 3 ans. Ou du permafrost qui a diminué d'un demi-mètre en 20 ans, ou encore de la diminution de l'albédo terrestre, ou encore du forçage radiatif positif. Oui, du haut de mes 20 ans, je vous demanderai d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le réchauffement climatique est aujourd'hui un fait qui touche la planète. Nous avons plusieurs conséquences sur le réchauffement climatique qui sont la hausse des températures, l'accroissement de la gravité des tempêtes, l'accroissement des sécheresses, mais aussi le réchauffement et la montée des océans, ainsi que la perte de biodiversité, et bien d'autres faits que nous voyons au fur et à mesure des années. Pour donner une définition au changement climatique, le changement climatique désigne les variations des températures à des conditions, et des conditions météorologiques, sur le long terme. Ces variations, elles peuvent être dues à un phénomène naturel, et depuis le début du 19e siècle, on peut voir que ça en résulte principalement des activités humaines. Par l'utilisation des combustibles fossiles comme le charbon, le gaz, le pétrole qui produisent des gaz à effet de serre. Donc moi je vais vous parler des causes car c'est ce qui donne les conséquences et sans cela nous n'aurions pas de conséquences. Donc il faut absolument y remédier pour éviter toute forme de réchauffement climatique. On a par exemple la production d'énergie on utilise les combustibles fossiles pour l'énergie et la chaleur. L'électricité dépend encore majoritairement des combustibles fossiles, mais on a quand même une avancée avec un quart de l'énergie qui est produite par des sources éoliennes, solaires et d'autres sources renouvelables. On a également la production industrielle qui rejette beaucoup de gaz à effet de serre pour produire principalement l'énergie nécessaire à la fabrication de matériaux comme le ciment, le fer, l'acier ou le textile, et donc produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Pour la déforestation, qui est une autre cause, les gaz à effet de serre sont beaucoup rejetés au profit d'exploitations agricoles ou des pâturages, par exemple. Car lorsque, par exemple, des arbres sont abattus, les arbres libèrent du carbone qui permettent de libérer du coup des gaz à effet de serre, d'émettre des gaz à effet de serre. On a également l'utilisation des transports. Donc la plupart des voitures, des camions et des bateaux fonctionnent par combustible fossile. Et donc les transports, ils contribuent à produire du gaz à effet de serre, surtout du dioxyde de carbone. On a également la production alimentaire, l'alimentation des bâtiments avec à l'échelle mondiale, les bâtiments résidentiels, les commerciaux qui consomment de plus en plus et qui consomment plus de la moitié de l'électricité produite. Et enfin la surconsommation avec l'utilisation des maisons, des déplacements, de l'alimentation, etc. Tout ce qu'il y a dans notre vie quotidienne. Donc il faudrait y remédier à tout ça, il faudrait pouvoir changer nos habitudes, notre quotidien, pour ainsi permettre aux conséquences de ne plus être produites. Bonjour, moi c'est Mathéo, un étudiant français, et retenez au moins ça,
au vu de l'importance que vous donnez aux choses. Je suis ici devant vous pour une cause ralliant toutes les générations de notre planète, que ça soit vous, vos parents, vos enfants, votre famille, vos amis et j'en passe. Notre planète, un sujet passionnant, mais sûrement mal compris par vous, dirigeants, élite de la société, comme pourrais-je le dire. Oui, notre planète, la Terre. La seule planète comportant la vie dans notre système solaire. Que dis-je ? La seule planète comportant la vie à des milliers, voire des millions d'années-lumière à la ronde dont nous avons hérité. Une chance infime dont nous, êtres humains, détruisons à tout jamais. La question n'est pas d'envisager des distances inimaginables en années-lumière, mais celle de réveiller la lumière qui sommeille en vous. Une lumière prenant conscience de la gravité de nos actes et prenant parti pour notre planète. En effet, grâce à certains tweets sur les réseaux sociaux, nous pouvons constater les opinions à l'égard du réchauffement climatique actuel. Des opinions pour le moins dénuées de sens. Un manque fondamental de connaissances qui prouve la désinformation suscitée par les médias. Cependant, s'il y a une chose qui est nécessaire de graver dans vos têtes, c'est que le réchauffement climatique n'a jamais été aussi rapide qu'actuellement. À cause de toutes les pollutions que nous rejetons dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre, les particules fines, la Terre connaît une période de réchauffement intense. Alors je ne vous demande pas de croire à toutes les informations que je cite, mais d'en constater les faits. Réalisez par vous-même le nombre de catastrophes naturelles qui augmentent chaque année. Incendies, ouragans, tempêtes. Dans une autre mesure, nous pouvons aussi parler de la montée des eaux, de la fonte du permafrost. Tous ces résultats sont les conséquences de nos activités humaines, qui nous mettent en danger et qui mettent en danger les générations futures. Que faire, me diriez-vous ? Je ne pense pas être la personne la plus qualifiée pour répondre à cette question. Des experts vous apporteront des réponses plus justes. Seulement, diminuer l'envoi de mails ou de messages, qui est la première cause de pollution dans le monde, serait déjà une avancée majeure. Bien sûr, de nombreuses autres activités sont aussi efficaces ou même plus. Pour en finir, j'aimerais finir avec une phrase qu'il faut que vous reteniez. Si chacun fait le premier pas, l'avenir nous sourira. Merci. Cette année, le GIEC a publié son 6e rapport et celui-ci est très alertant. Depuis plusieurs années, nous observons que la situation sur Terre se dégrade. Commençons par la montée des eaux. On estime que d'ici 2100, le niveau des océans va monter de 50 cm, et dans le pire des cas, il y aura une hausse de plus d'1,10 m. Aussi, les océans vont se réchauffer et gagner de 2,2 à 3,5 degrés, ce qui influe sur la dilatation de l'eau et donc la montée des océans. Ce phénomène est nouveau car cette hausse est visible depuis l'ère industrielle, soit le début des années 1960. Ensuite, un autre phénomène important est la fréquence qui s'amplifie des incendies. Ceux-ci sont de plus en plus présents et de plus en plus importants. Par exemple, en 2018, 21 448 hectares ont brûlé en Californie, alors qu'en 2017, il y en a eu 9 308 qui ont brûlé, soit presque deux fois plus en 2018. Globalement, 4 millions d'hectares ont brûlé en 2017. L'ONG Global Forest Watch nous dit qu'en 2016, 297 000 km² de surface boisée ont disparu de la Terre, soit deux fois plus qu'en 2015. La déforestation est de plus en plus importante et conduit à la disparition de certaines espèces. Pour conclure, si l'on continue ainsi, environ 570 villes importantes vont être sous les eaux, comme Amsterdam ou Venise. Une grande partie des régions boisées de la Terre auront disparu et des milliers d'espèces vivantes se seront éteintes ou seront en voie de disparition. Alors il faut réagir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je me tiens ici, devant vous, afin que nous changions les choses, tous ensemble, main dans la main, car notre rapport à l'environnement doit changer. La Terre est notre oxygène. Si nous la tuons, nous mourrons. Les activités humaines ont créé énormément de combustibles fossiles, ce qui a engendré les gaz à effet de serre. Ces derniers ont augmenté les maladies, les cancers et donc le taux de décès. Mais malheureusement, ce n'est pas tout.
ces gaz à effet de serre ont augmenté la température du climat, ce qui a pour conséquence l'augmentation des feux de forêt. Mais rendez-vous bien compte que si toutes les forêts venaient à disparaître, l'humain disparaîtrait avec elles, puisqu'elles sont notre fournisseur d'oxygène, notre source de vie. Mais cette augmentation des températures a aussi pour conséquence l'élévation du niveau de la mer. Et vous allez sûrement me dire « oui et ». Eh bien le problème étant que cette élévation va nous amener à une disparition des îles. Et donc, les personnes vivant sur ces îles, vous croyez qu'elles vont aller où ? Elles devront se diriger vers d'autres lieux d'habitation, ce qui finirait en surpopulation. Pour finir, j'aimerais vous parler d'une chose à laquelle nombreux d'entre vous participent au quotidien. La pollution. C'est un fait qui doit s'arrêter au plus vite, puisqu'en plus d'être facteur de maladie, il contribue à la disparition de certaines espèces, notamment les espèces marines. Lorsque vous jetez des déchets dans la rue, vous pensez que cela va se détruire ? Or, il reste des mois, voire des années après. Et cela se retrouve dans les mers. Les animaux marins les ingèrent ou s'étouffent avec. Vous êtes donc, tous ici présents, des meurtriers. En plus de tuer la nature et les humains, vous tuez aussi, et je dis vous, mais j'en fais partie malheureusement, nous tuons aussi les espèces animales. Il faut stopper tout ça. Il n'est pas trop tard. Nous sommes LA génération qui peut tout changer. Alors prenez vos responsabilités en main. Et si chacun d'entre nous agit, cela permettra de sauver la planète et de sauver tous ceux qui y vivent. Je vous demande à tous de faire un effort. Car cela ne vous demande pas grand-chose. Mais à l'échelle mondiale, cela représente beaucoup. Sauvons la planète avant qu'il ne soit trop tard. Merci.